Salut YouTube, troisième partie de notre Let's Play sur The Zelda Oracle of Seasons. Et on continue. Alors déjà je commence bien en envoyant une bombe. Mais on va continuer. Nous avons la clé du donjon à récupérer. Donc du coup on va essayer de trouver le boss. Et puis voilà. L'objectif c'est le boss sur cet épisode. Hein. Hop, le bracelet macho. Hop. Il y a quelque chose dans mon nom. Ah. Une clé que je n'ai pas. Une clé que je n'ai pas. Est-ce qu'il y a un accès à gauche que j'ai pas vu? Pas du tout. En bas. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un accès que j'ai zappé? Je suis pas allé à gauche, hein. Ouais. Je me suis cassé la gueule, hein. C'est pour vous, hein. C'est vraiment le plaisir. Je pense que la clé qui me manque est là, en vrai. Mais... Je me suis compliqué la vie, hein. Bon, c'est bien, les cœurs sont généreux. Hein. Donc là, il faut que je bute tout le monde, c'est ça? Bon, ça c'est du coup c'était pas très malin. Hein. Et la fameuse clé qui me manquait. C'est bon. Allez, on va repartir au téléporteur. Ok. Bon, j'espère que vous appréciez ce petit let's play. Hein. C'est vraiment en mode détente et pour le plaisir de redécouvrir le jeu. Hein, ouais. Et vous le faire découvrir si c'était pas encore le cas. Alors ça, je peux pas les buter de mémoire. Est-ce que ça sert à... Ah si, je crois qu'avec le boomerang, on peut faire un truc. Attendez. L'expérience, la science, tout ça. Voilà. Il me semblait bien. Bon, on va les laisser tranquilles, on s'en fout de, en vrai. De... Bon, ça, c'était pas très malin. Ouais, le skill avant tout, hein. On regarde si jamais il y a des choses. Bon, après c'est des ressources souvent même. Ok. Ah, vous partez pas sans moi, hein. Ah, si, bah si. Ouf. À gauche. La verroulette. Ça va être fun, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc là, pour aller en bas, du coup, vu que ça a tourné de sens. Non, je sais plus ce qu'il faut faire avec eux. C'est réel. Hein. Ah, du coup, le donjon est là. Mais j'ai pas la clé. Bon bah écoutez, on part de là-bas. Donc l'idéal ce serait d'aller à gauche. Non en fait c'est pas du tout là que je veux aller en fait. Faudrait aller en bas. La clé du donjon. Facile finalement. Alors déjà, on va déjà y être au boss en fait. Ah ouais, bah du coup, on va peut-être pas faire que ça dans l'épisode quoi. Bah sauf si on galère comme des connards. Ce qui est fort probable. Alors du coup, est-ce que... Oula, je vais tomber. Ah mais c'est déjà sur la bonne porte. Sur le bon accès. J'ai 3 cœurs. Ah mais il va bien me donner des cœurs là-dedans. Il y a bien des cœurs dans les pots là. Oui, hein. Oui, regardez, c'est imminent, hein, voilà. Des bombes, c'est nickel.
Bon, je pense pas que je vais louper autre chose, de toute façon, avoir la carte intégrale, enfin la boussole, ça n'a pas d'intérêt. Alors, essayons de se rappeler quel boss ça pourrait être. Mais je pense que c'est un boss où je vais avoir besoin du bracelet, en vrai. Vu qu'on l'a eu dans le donjon, je pense fortement que je vais en avoir besoin. Ah, ou des bombes. Ah, ou des bombes, oui. Ça lui fait rien. Il faut l'envoyer dans les pics. C'est tout? Non? Et quand c'est que tu me charges, frérot? On va se faire chier, on va se faire chier. Mais il prend rien. Mais comment on fait déjà? Oh non. Non? Il y a forcément un rapport avec les bombes, j'ai droppé des bombes. Ah, c'est pas quand il... Quand il fait ça? Ah oui, c'est ça. Boum. Non? Calmez-le, votre pote, hein. C'est raté, hein. Allez, faut tuer, monsieur, hein. Ouvrez la bouche, hein. Alors, je pense que je rate une étape. Oh, purée, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Bon, vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre le délire, hein. Voilà, c'est ça l'idée. C'est peut-être un peu ambitieux de le faire d'ici. Il faut le faire combien de fois? Ça crie les... Ça... Ah? Bah oui, d'accord. Je vais pas avoir le temps. Non, c'est pas grave. Ça c'est con. Allez, allez, un petit effort, mon petit Zeldo. Voilà, impeccable. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on fait. Et nous obtenons notre deuxième cœur, parfait. Bon, il faut le savoir, hein, en vrai, bon. Fallait s'en douter un petit peu, mais... Vous obtenez le don du temps, une essence de la nature. Hein. Les graines poussent vite quand les saisons changent. C'est vrai que les graines, il faudrait que je m'y intéresse, un petit peu. Je sais pas s'il y a vraiment une nécessité, mais bon. Très bien. Que nous dit l'arbre, hein, le messager, hein. Merci, Master. Écoutez, c'est moi qui régale, hein, après tout. J'ai reçu un peu du don du temps. J'ai rêvé du marais boueux à l'est. Il y a quelque chose là-bas. Je ne vois plus rien. Bien, écoutez. Je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la nouvelle zone. Ah, mais décidément, à chaque fois, on se fait aggro à la sortie du donjon, quoi. Elle a tout fait tomber, la connasse. Comment ça? Ah, il me semble qu'à un moment, il y a un objet qu'on peut avoir comme ça. Non, on s'emmerde. Un marais boueux à l'est. On va essayer de s'y diriger. Salut. Oui, du coup, bah oui, du coup, quand il y a la sorcière, il n'y a pas de...
il n'y a pas de d'ennemis. Du coup, il faut qu'on revienne là-bas, mais par l'hiver, quoi. Je vais prendre un peu de votre soin, madame. Hein. Est-ce qu'il y a un accès? Je regarde s'il n'y a pas un accès caché, là, bêtement. Voilà. C'est l'appel de Minecraft, hein, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de... Non. Écoutez, à part miner... Bon, en vrai, si j'ai besoin de pognon, je minerai de mon côté, en vrai. Alors, minerai boueux à l'est. Ah, je pense savoir où il faut aller se diriger. Vous vous rappelez du rocher qui nous bloquait au début du jeu? C'est par là qu'on va se diriger. Normalement. Bidi 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 bidi. On n'était pas passé par là? Ah non. J'étais pas encore passé par là. Bon, là, il y a bien un truc caché ici. Hein. Oui, pardon. Les graines braises, oui. Les graines de Bretagne. Merde, j'ai complètement raté. Il y a bien accès, monsieur dame. Ça pour rien, là? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est pas vous qui m'intéressez, monsieur. Hein. Ce que si je parle à l'arbre, en vrai, ça a un intérêt. Hein. On va aller le voir, en vrai, vite fait. Parce qu'il y a vraiment un intérêt. Merde. Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit? Marée boueuse à l'ouest, quelque chose, ok. Est-ce que... Non, on peut y aller dedans, mais est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Pas encore, hein. Je pense pas, hein. Ah mais si, mais attends, mais bonjour. Attendez, on va parler à cette gentille dame. Bienvenue, je suis l'oracle des secrets. Ah, formaté secret. Alors ça, je crois que c'est... Ouais, il faut avoir fait les deux jeux, je crois. Il y a un lien, hein. Je sais pas pourquoi je monte, je pense que ça ne sert à rien, voilà. Bon, j'accélère, hop. Voilà. Je vais pas accélérer souvent, hein, rassurez-vous. J'ai pas l'intention, je vais savourer le jeu, en vrai. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc... Ok. Donc, on va revenir par le haut. Alors, attendez. Je voudrais tester un truc. Non, ça ne marche pas là. Non, je pensais qu'éventuellement ça pouvait faire pousser. Alors peut-être au printemps. Mais il y a des trucs qui reviennent plus ou moins, mais c'est vrai que ça, je me souviens plus trop. Donc du coup, on va se diriger par là. On va la planter, de toute façon on passera par ici je pense. Donc quand ce sera bon, on récupérera. Et du coup le rocher auquel je pensais est là. Marais boueux au nord, très bien. Ah, dommage. En tout cas, je me rappelle plus, les couleurs sont sympas du jeu. Hein. On rappelle qu'on est sur un jeu de Game Boy Color. Hein. On est sur Game Boy Color là. Hein. Pas sur GBA. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous... Mais ça... Mais comment on les bute? Mais aïe! Ah putain, il faut que je fasse ça d'abord. Ah pas du tout. Ah mais je vais arrêter de vous taper en fait. Vous êtes pas... Vous êtes pas mes potes en fait. Littéralement quoi. J'ai perdu deux cœurs quand même. J'ai mal. Hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Hein. Je sais plus par où il faut passer. Hein. Je suis Ricky. Le marais boueux est derrière chez moi, va au sud, puis il tourne. Ok, donc il va falloir récupérer des gants. Et je sais plus où ils sont, tes gants. Oui, donc évidemment, avec le Ricky, on passe par là en fait. Ouais.
Sbidi bidi 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 bidi. Ouais, je suis pas sûr que j'ai le droit d'y aller là. Hein. Et oui, parce que c'est. Normalement, voilà. Pour situer, il me semble que c'est le château de Nox par là. Oui, hein, on va pas y aller. Hein. Pour se faire étamer. Hein. Ok, là, il y a un levier. Là, il y a de l'eau. Génial. Merci, Captain Obvious. C'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau. Hein. C'est rien, c'est de l'eau. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait un accès par là? Ben non. Alors, j'ai pas de quoi nager encore, hein, mais... Il faudrait que je passe par là. Alors, est-ce que le mec il doit être à moi là? Alors là, il y a déjà des graines. Mais allô? Des graines parfum, elles attirent les monstres. Rappelez-moi de pas m'en servir. Hein. Je crois que le mec il est en bas. Je crois. Hein. Ça me paraît être sa maison. Voilà. Donc là j'ai coupé les herbes, ça débloque la bidrillite dans Pokémon Unbound. Hein. Non, je déconne. Hein. Ah c'est lui. Je suis Bleno le champion, tu veux quelque chose? Alors viens sur le ring. Veux-tu parier 10 rubis? Oui. Voilà les règles. On va se coller des baffes jusqu'à qu'il y en a un qui pleure et sort du ring. Objet interdit. Comment on tape hein? Vous allez sortir du ring, voilà, cassez-vous. Hein. Voilà. J'étais champion de boxe. Hein. Tu es le nouveau champion. Les gants de Ricky. Voilà, vous êtes un sacré sac à merde. Hein. Ah merde, du coup, il y a... Un sac à merde, oui, mais qui m'a piqué... Qui m'a piqué mes items. Bah du coup, c'est nice. Enfin, par contre, c'est pas gentil, ça. On peut pas se soulever. Non, mais monsieur... On peut pas le soulever, le panneau? Voilà, je savais qu'on pouvait faire ça, MDR. Je peux pas soulever les herbes par contre. Hein. On va voir Ricky. Ouais, si on peut arriver à atteindre le troisième donjon déjà, ce serait bien. Après, de mémoire, enfin, le jeu est pas très long en soi. Hein, donc, Je suis Ricky, oui. J'ai mes gants, Kono. Mais oui, c'est tes gants. Bah oui. Ravi de faire ta connaissance. Une flûte qui permet d'appeler Ricky. Donc si jamais, on peut appeler Ricky avec du coup la flûte. Non. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Malheureux. On peut taper. On peut taper. Si tu approches un trou, je sauterai par-dessus. C'est très facile pour moi. Voilà. Et pour te faire mentir, voilà. Je te fais mentir, hein. Voilà. Tu sautes pas tous les trous, hein. T'es mytho, hein. Un sacré mytho, votre pote, hein. Ah, quel plaisir. Ah non, par contre, ça, non. Bon, par contre, merci, messieurs, les agressions. Bon, par contre, voilà. Je suis nul, voilà. On peut le dire. Hein. Oui, il y a bien un passage secret ici. Pas du tout. Vos potes, ils sont agressifs. Hein. Bon, il y a bien un accès. Il y a bien quelque chose ici, messieurs, dames. Allez, merci d'avoir cassé ma porte. Combien? Et puisque c'est ça, je saccage votre maison. Puisque c'est ça. Vous l'avez voulu. Hein. Je saccage votre maison, voilà. Voilà. Je vous saccage vous, hein. Vous êtes un sac à merde. Voilà.
Merci pour le pognon. Le petit personnel. Hein. On peut pas y aller là, c'est ça si? Bon, si c'est pour se faire démolir, c'est non merci. Il y a une maison ici. Il doit y bien avoir quelque chose ici. Hein. Bonjour. Il fait chaud. Ma piscine ne suffit pas à me rafraîchir. Il me faut un truc frais pour me donner des frissons dans le dos. Pour l'instant, je n'ai rien, madame. Et Ricky ! Ricky ! Ouais, on va appeler Ricky, hein. Bonjour ! Ah, mon petit copain Ricky, hein. Ah, c'est Ricky Martin, hein. Ouais, une falaise, il peut sauter les falaises, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, on va casser les herbes, hein. On va péter la gueule, voilà. Je sais où ça mène l'accès aux normes. Ah, ça c'est truc de vitesse. Mais non, mais il est con. Ouais, il est là, hein. Au cas où on en doute, hein, il est là, hein, votre pote. Des graines Pégase qui vous donneront la vitesse de Pégase. Ah, ça c'est bien ça. Bah, j'y penserai. Merde. Je fais n'importe quoi. Sauter ça? Non. Je vous ignore. Hein. Là, je peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il dit votre pote? Tu veux aller dans le marais? Ben, j'ai perdu la clé des portes de l'écluse. C'est con, hein? Ah, je sais pas où je l'avais foutu, hein. Oh, c'est là qu'elle était. Ouais, elle se trouve dans la flaque dehors. C'est rigolo, j'ai tapé un levier. D'ailleurs, attendez. Hein. Ah, le prank. Et vous pensez que je ne suis pas malin? Eh bien... Si. Attendez. Voilà. J'ai joué à Pokémon Unbound, moi. Hein. Les énigmes, ça me fait pas peur. Hein. Je regarde si jamais il y avait un truc qui est caché, mais bon. J'en doutais. Hein. Très bien. Je l'avais vu, mais je l'ai quand même pris. Hein. C'est pour vous. Ok, et du coup, la porte est de ce côté. Enfin, la clé est de ce côté. Hein? Trouver un passage pour aller au temple des saisons. Oui, 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 mais ne inquiétez pas, mais j'ai vu le... Merde. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Un vortex connecté... Un écu? Mais frère... J'ai déjà un bouclier, qu'est-ce que vous êtes un escroc? Pourquoi? Et là, du coup, en changeant la saison, je vais pouvoir accéder au... Possiblement. Ou pas du tout, même. Je peux y aller à pied, en vrai. Et merci à tous. Oui, parce que le donjon est là, c'est ça? Je l'ai encore vu, mais encore une fois... J'avais décidé de le prendre dans la gueule. Ah oui, oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je voulais passer dans l'eau. Je n'ai pas encore de quoi nager. Hein. Je n'ai pas les palmes.
Ben, zou, hein. Attendez, mais j'ai pas eu cet accès. Bon, il est passé. Pas des bêtes, hein. On peut passer par là. Ok, Ricky Martin est là. Le connard. Enfin, tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça, hein. Oui. Bah, du coup, on va passer en hiver, du coup. Parce que semblerait-il. Qu'il y ait un accès. Alors, à moins qu'on récupère le printemps. Je ne sais plus. Est-ce qu'il disparaît, notre pote? Non. On y va. Est-ce que t'aimes glisser, Ricky? Oui, j'adore. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans la glace. Hein. On peut passer par là? Oui, donc ça nous ramène exactement ici, d'accord. Là, on peut pas y aller. Donc, on doit pouvoir y aller par le bas. Ah, voilà le vortex. Ok. Donc, a priori, on va récupérer une saison alors. Attendez. Comme si. Mais comme s'il y avait rien là, quoi. Vous me prenez pour un jambon, hein. Voilà. Il y avait absolument rien. Il n'y a absolument rien, c'est pour vous. Hein. Ah. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Non mais j'ai déjà l'item, en vrai. Mais... Ouais, mais sauf que j'ai plus une seule graine en fait. Oh, merci Ricky. On va subrosir. Hein. Alors pour le coup, je ne sais plus où il faut aller. Par là? Ça, on n'a pas encore l'accès. Donc là, le téléporteur est là, c'est une bonne chose. On peut trouver du minerai étoile autour de toi. Oui, bon, évidemment, on peut farmer là si on veut, mais c'est pas l'intérêt. Il y a le market et j'ai pas une thune. C'est quoi ça? Joli ruban. Ça me tente pas, non. Alors le ruban, est-ce que j'en ai besoin dans l'immédiat? Je suis pas sûr. Ouais, j'ai pas de clé. Il s'est mis à vendre des trucs étranges, oui. Non, mais il y a bien un endroit où je dois pouvoir aller en vrai. Non, mais là on a dit que non. Ah, mais en passant par là à droite. Putain, je suis con. Voilà, vous aimez farmer vous? Vous aimez le farm, hein? C'est pour vous, hein. Le collier de... Quoi? Le collier de Rosa peut ouvrir les portes divines. Intéressant ce que vous dites, hein. Ah! Oui, c'est vrai qu'on peut tomber sur ces merdes-là, oui. Je suis Rosa, mon ruban favori s'est perdu dans la mer, j'aimerais bien aller l'explorer. Ah, c'est le ruban qu'il y a dans le... Dans le shop. Ah, est-ce qu'il fallait que je fasse la quête? On va repasser au shop en vrai. Et là je n'ai plus rien dedans. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, votre pote?
Mais il y a un ruban en shop, c'est quand même intriguant, non? On est d'accord que c'est pas là-dedans. Vous n'allez pas m'obliger à faire ça. Je repasse au market en vrai. Du minerai étoile. Il m'a raconté ça, votre pote. J'ai pas du minerai étoile. Ouais, je sais comment ça marche. Du minerai étoile? Faut que je me penche sur la question parce que... Parce que je peux pas aller à 36 endroits en fait. Oui, tout le monde veut sortir avec Rosa, écoutez. Ah! Bah ok, bah du coup go. Hein. On l'a trouvé votre truc. Allez, donne-moi ça. Hein. Allez, on va le donner à Rosa. Et je pense que quand on aura fini cette quête là, on s'arrêtera. Il était où cette courge? J'ai vu ce qu'elle me donne en vrai. Ben oui. Allons dans ce temple. Eh ben go. Bon, j'ai pas fait ça pour rien parce que finalement ça sert pour aller au temple. Bon, je pense que... Alors... Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Ah, mais c'est pour la clé. Non? Elle ouvre les clés. C'est du génie. C'est du génie, c'est du génie. Donc il y a une porte qui va ouvrir en fait. Alors je sais plus. Merde, c'était quelle clé? C'était à gauche, non? Oh, je sais plus. Alors peut-être le printemps. Non, je me rappelle plus. S'il faut, c'est par là que je suis allé. Hein. Ah, on va s'amuser. Hein. On va terminer ça. On peut pas le pousser ça. Oh mais il y a juste à faire ça, mais c'est tout simple. Ok, bon comme ça on prend le... Mais c'est l'automne. C'est l'automne. Du coup comme ça on s'arrêtera là. Non, c'est l'été, pardon. Et les lacs sont asséchés. Le pouvoir de l'esprit de l'été. Merci à vous. Le sceptre des saisons a été béni par le soleil monté sur une souche pour invoquer l'été. Et merci madame, de quoi. Hein. Allez, on va sortir de là. Non, on peut toujours pas y aller. Est-ce qu'il faut que je la ramène en vrai? Je pense que oui. J'aimerais bien repartir à mon point de départ. Et l'été va me permettre de monter le... pour le donjon la prochaine fois. Donc le TP était là, c'est ça? Bon, on se TP sans race. Hein.
Allez, du coup, faut que je revienne là. Ah ouais. Toi, t'es toujours là. Vous êtes sérieux, votre pote? On va passer par là, hein. Oh, je l'ai tellement ignoré, votre pote. Ah, ou bravo, hein, bravo. Bravo, Ricky, hein. Ah, mais je vais mourir. Ah. 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 Papa, passer. Je suis passé pour rien ici, hein. Ah, mais je suis mort. Oui, d'accord, mais je reviens là. Bon, c'est pas grave. Pas très grave. On va passer par là. C'est pas gênant en soi. Mais ce serait bien qu'on arrive au donjon en vrai. Bon, il y avait une graine de Pégase, mais... Bon, c'est pas maniable, hein. Le Ricky, Ricky Martin, hein, il est pas très maniable. Hein. Donc normalement... Bon, déjà, on s'en va de là. Et nous avons l'été. Merci à tous. Niveau 3 entre mythe poison, et nous le ferons même la prochaine fois. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 3 de Zelda Oracle of Seasons. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, ou même laissez un petit pouce bleu, quoi, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour le troisième donjon du jeu. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Nous continuons l'aventure, hein. Pour le plus grand plaisir des joueurs de Zelda. Voilà. Des bisous et à la prochaine.